Voilà. Il en manquait un, le voilà. Il n'aurait Petruccio qui est en place, tout comme Neil Salamis désormais. Sous les ordres. 1500 mètres à couvrir. Un bon départ de Neil Salamis. Un excellent départ de Pythagoras. Un très bon départ en dehors également de Cannes du Nil qui se rapproche. Cannes du Nil qui vient rejoindre son compagnon, l'écurie Neil Salamis, pour se diriger vers le premier virage. Modda est en troisième position et Noah Petruccio, la casaque rouge, vert et blanc, est en 4-5e position avec le 2 Texda. Le 5 venant ensuite d'Urac à l'arrière-garde, Ammar Ibn Angeli. On va parler à la ligne d'en face, c'est les deux de l'écurie qui vont aller devant. Cannes du Nil, bientôt rejoint par Nils Adamis. Ensuite, on retrouve bien placé dans leur sillage le numéro 1, Enoa Petruccio, avec le 8 en dehors, Modea. On est sur une troisième ligne avec Texdea, le numéro 2. Et à l'arrière, on retrouve désormais Pythagoras et le 4, Ammar Ibn Angeli, qui sont un peu plus loin. Qui épaule pour le moment Nils Adamis. Dans le hors-dos tout près, il y a Modda qui semble avoir du mal à suivre. Dans le virage, Modda, assurément, au contraire du 2 Texdea qui s'accroche bien et du numéro 5 Durac qui n'a peut-être pas dit son dernier mot. Accélération de Nils Adamis qui tente de décramponner maintenant. Enoa Petruccio qui vient et à leur extérieur, Cannes du Nil. Très sollicité, Texdea semble déjà battu. Hein. Numéro 2 là qui est en 5e position qui ne progresse plus. Le jumeau de l'écurie, Nils Adamis devant Cannes du Nil. Ces deux concurrents toujours assez nettement détachés de Enoa Petruccio qui est désormais lancé en pleine piste et puis courageusement, Texdea revient peut-être pour prendre une place. Et la phase finale, Nils Adamis qui contrôle devant son compagnon de boxe, Cannes du Nil, qui subit l'assaut d'Enoa Petruccio. Nils Adamis qui va l'emporter facilement. La deuxième place sera disputée. Elle reviendra peut-être au numéro 6, Cannes du Nil, ce n'est pas sûr. Face à Enoa Petruccio qui a bien fini. Puis la quatrième place sera à déterminer, peut-être Durac le long de la corde. 3, 6 à 5 et 2, arrivée provisoire de cette épreuve. Arrivée préférentielle, on va revoir tout cela au ralenti.